Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Alors du coup, non, te manque la gemme bleue et jaune, d'accord. La jaune normalement est dans ce niveau, très bien. Oui, c'est vrai que c'est normalement, étant donné qu'il y a des différences de gemmes entre... enfin d'emplacement de gemmes entre les différentes versions Jap et le reste du monde, plutôt que les autres. Bon, bah du coup, on va faire ce niveau, et puis on verra bien. Alors, très bien. Bah, il a beaucoup de vie, Brio. Ah oui, c'est ça ce qu'il disait, c'est... Il y a celle qui explose, d'accord, maintenant je comprends. Et celle-ci, il faut leur sauter dessus, très bien. C'était ça ce qu'il disait... Ok. Ok, je comprends. Je comprends mieux cette explication. Et ben voilà. Fais le dernier level et après retourne. On sait jamais s'il y a une gemme colorée. Et ah non, il y a Brio avant, c'est vrai. Très bien. Alors, Dolly Dolly Kenkun. Non, Bilibili, putain, je sais plus lire mon japonais. Je sais pas ce que ça veut dire, Bilibili. Mais en tout cas, on est dans le truc de recherche. Si ça vous intéresse. Alors, Bilibili, qu'est-ce que c'est? À part éventuellement quelqu'un qui s'appelle Billy deux fois. Alors, Bilibili, donc une onomatopée, hein, sans surprise, qui veut dire cliquetant comme un choc électrique déchirant. Très bien. C'est parti. Alors, Bilibili Tanoshi, Korutex no Kenkyu Shoja. Donc voilà, il redit que c'est cliquetant, hein, le laboratoire de recherche de cortex. Alors, ici, il nous faut faire un perfect, ce serait mieux. Tsumikasaneta mono dake sono himitsu ga akasareru toyu. Donc là, apparemment, on fait un perfect, on va récupérer un truc, un secret ou que sais-je, je ne sais pas trop. On verra bien ce qu'il veut dire par là. Il y a des apps comme dans Cortex Power, eh oui. Ah, ils font trois fois cette coussin. Il y a une gemme colorée, ouais, je pense que c'est ce qu'il disait, ouais, mais c'est vrai que... Ça n'est pas toujours clair pour moi. Reviens là, je veux te sauter dessus! Ah, ça va en fait, elle pop à l'infini, très bien. Ah, elle sert de trampoline, c'est ça? Bah là, du coup, j'ai tué. Ah bah non, elle sert pas de trampoline, que dalle! Oh. Ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool les mecs. Nuu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 
purée, c'est vrai qu'elles le font trois fois. Oups. Bon. Et si on peut... Oups. Mais je suis bloquée dans la caisse. Mais ici, on ne peut pas. Les trucs que t'es obligé de faire au moins une fois, sinon tu ne le sauras jamais. Décalage, merci, bah oui. Je vais plus trop parler parce que j'écoute le stream en fond tout en faisant le ménage. Pas de soucis, bah écoute, bon ménage à toi, bon courage. Moi, je m'en suis débarrassée ce matin. Et merde, je suis sûre qu'il y avait un truc au-dessus. Donc ouais, je m'en suis débarrassée ce matin. Comme ça, je suis tranquille. Bon, bah j'arrive pas à la prendre. Petit soupir de soulagement de Crash, genre... Ah. On est donc au stage 32... Enfin, 30 sur 32, pardon, et non pas 32 sur 30. Pouf. Ah, nos copains qu'on retrouve effectivement dans les stages... Merde, je pensais que ça passerait dans les stages à jetpack du 2. Très cool, très très cool. Ça va, ça me stresse. Oups! Si je ne regarde pas l'écran, moi qui me disais je suis safe. Oups, mauvaise sauvegarde. Ça me stresse comment... Toana disparaît dans la version Jap. Mais oui, t'as l'impression que... Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est un espèce de... d'hologramme. Je me suis encore fait toucher. J'ai l'impression que c'est une espèce d'hologramme. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'elle disparaît, du coup. Oh non! Mais non! Plafond, s'il te plaît, laisse-moi passer. Ah mince! Alors je vais m'occuper de toi d'abord, voilà. Ah mais non, t'es revenu, tu triches! Bon, je vais attendre parce que là, mauvais timing. Voilà. Et cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Je l'espère. Très bien. J'aime pas trop ça, moi. Effectivement, ça ne passe pas. Bon, je vais attendre, hein. Ah, mince. Youps. Ah là 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 là. Oh non! Ah mince! Faudrait que j'arrive à passer plus sur le côté.
Je pense que j'ai moyen de passer si je saute un peu dans le vide. Et que je fais un petit détour. Peut-être que ça peut passer. Non, 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 non. Doucement, doucement. Ça va. Et là, oh, j'ai eu peur. Bon allez, on va finir par y arriver. On va finir par y arriver. Allez. Je vais attendre. C'est bon. J'ai toutes les caisses. Très bien. Oh. Nous avons donc la gemme jaune. Nickel. Continuons. Même, il y a même le son dans Crash 2. Oui, 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 il y a le même son dans Crash 2. Alors, Shirodaya no Ikisakira. Ah bah voilà, la bonne gemme dans le bon level. Comme quoi, des fois, ça arrive. Si jamais je vais affronter Cortex tout de suite, est-ce qu'après je peux revenir faire du backtracking? Ou est-ce que après j'ai plus accès à la partie ou machin, comment ça se passe? Est-ce que par exemple je peux aller finir le jeu et revenir après? Ou si je finis le jeu, j'ai plus accès à la partie? Comme je connais pas du tout Crash 1, je sais pas ce qui se passe. Donc t'as dit Shino, mais... non, j'ai dit Shilo, mais c'est pas loin. De toute façon, le 100% est pas par le chemin de Cortex. D'accord, ça sert à rien de faire Cortex. Ouais, mais je suis curieuse de voir à quoi il ressemble. Tu vas dans son niveau et tu passes par un autre chemin sur les gemmes pour atteindre la vraie fin. D'accord. Bah dans ce cas, je vais faire ce niveau-là. Parce que ça, c'est pas le niveau de Cortex, hein, on est d'accord. Je vais faire ce niveau-là et après on retournera en arrière pour faire du coup le backtracking de toutes les gemmes qu'il nous manque. Je pense que ce sera le moment. Tu peux faire ça à aucune... Ça, tu peux le faire, ça a aucune incidence. Très bien. Très bien, très bien. De toute manière, je ferai au pire une sauvegarde avant, tout ça, donc je pense que tu peux le faire, puis revenir faire la vraie fin, comme ça tu montres les deux. D'accord, très bien. Ça fait juste te remettre à ta dernière sauvegarde. Très bien. Bon, on va faire celui-ci, et on verra bien ce qui se passe. Oh. Ah, j'imagine que là, c'est le truc où il faut avoir tous les diamants, c'est ça. Sinon, tu ne peux pas finir ce niveau. Je vois. Donc là, je vais pouvoir aller jusqu'ici. Ah, oups! Enfin, si je décède pas entre-temps, bien sûr. N'y va pas. Bah oui, j'ai pas toutes les gemmes, donc... Est-ce que je serais bloqué à un moment? C'est la vraie fin par là. D'accord. Mais de toute manière, je peux pas la faire vu que j'ai pas toutes les gemmes. Donc je n'ai pas toutes les gemmes. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais faire une sauvegarde ici. Voilà. Et on va aller voir Cortex, histoire de lui péter la gueule quand même. Parce que sinon, c'est pas rigolo quand même si on tape pas Cortex à un moment. Wow. Ah, le skate qu'on retrouve dans le 3, ainsi que le même gun et le même bruitage.
Ouais, c'est ça, je peux lui renvoyer le verre. Très bien. Je me suis dit, en le voyant, je fais tiens, à mon avis, je pense qu'on peut en faire quelque chose. Ah, et les bleus reviennent par le côté. Ah, c'est fourbe, Cortex. Tu es fourbe. Et en plus, je t'ai raté. Ou alors, peut-être choper les deux. Ouais, c'est ça, il faut choper les deux. Très bien. Et salut, Sanji. Ou hola. Hey. Je sais pas. Oh, elle change de pattern. C'est pas cool. Oups. Du coup, je suis plus... Ah, mince. Focalisée sur les vertes que sur le reste. C'est pas évident, Cortex, hein. Courage. Ah oui, non, c'est vrai. C'est le changement de pattern ici. Wow. J'essaie de me concentrer un peu. Non. Ah non, mince. Aïe! Pas facile, facile, hein. Surtout quand je fais n'importe quoi. Hop, ça, c'est bon. Jusque-là, ça va. Donc là. Les bleus vont changer de pattern, hein, c'est ça hein. Non, pas encore. Ah oui, c'est après celui-ci que les bleus font des vagues. C'est ça. Non. Mauvais timing. Ah, j'ai tout raté. C'est bon. Oups. Ah là là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai voulu faire Cortex. Je vais y arriver. On peut tomber. Ah oui, on peut tomber. On peut tomber. Allez, je voulais savoir, hein. Ça se trouve, on peut lui sauter dessus. Oups, j'ai raté la dernière. Aïe. Mais non. Oh non. Oh là 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 là. Oui, bah oui, du coup la cinématique d'intro de Crash 2, ça c'est la fin du Crash 1, ça je le savais, parce que on est justement sur... Non, c'est la cinématique de Crash 2 ou Crash 3? Attends. La cinématique de Crash 2, elle commence comment? Ah, c'est exactement après ça, oui, oui, oui. Tout comme celle de Crash 3, elle est aussi juste après Crash 2. Ah, j'ai encore raté la verte. À chaque fois, je la vois pas bien, la dernière verte.
Voilà. Ah non, mais j'ai du mal à évaluer les distances. Du coup, à chaque fois, je me dis qu'elles sont pas encore tout à fait là, mais en fait, si, elles sont complètement là. Oui, Cortex qui tombe sur l'île et qui trouve un cristal. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est bien la cinématique du 2 et c'est ça. C'est tout à fait ça. Crash Bandicoot 2 commence tout de suite. Oh, c'est mignon. Bon, on a fini Crash comme ça. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la vraie fin. Mais je voulais quand même battre Cortex. J'y tenais. C'est pour ça que je vous ai demandé justement si ça faisait quelque chose ou pas. Je préférais m'en assurer. Non, ça les met en pause. Ça ne les passe pas. Très bien. Merci. On va donc s'attaquer à la partie la plus pénible, à savoir choper tout partout et refaire des niveaux chiants. Oh là là. On peut remettre le générique à plus tard. Bah ouais, mais je peux pas le passer. Je ne peux pas le passer. C'était pas bien dur, lol. Bah, non, en vrai, Cortex, il est pas très très dur. Hein. C'est juste que... Car le 2 dans l'espace... Oh, il est pas très dur non plus dans l'espace. Mais là, c'est juste que j'avais des problèmes de... Enfin, des fois, je voyais pas bien... Que les boules étaient arrivées sur moi, j'avais l'impression que j'avais encore le temps de sauter ou autre, et en fait pas du tout. Donc, mais à part ça, sinon non, effectivement, ce boss n'est pas très très dur. Ah oui, effectivement, comme avait dit hier en mémoire de Taemin Kim. Très bien. Donc. On va reprendre et on va retourner au début. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait le truc ici. Fukai Kurayami no Nakade. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Oui, celui-là je l'ai fait. D'accord. J'avais l'impression que j'avais pas fait vu qu'il était un peu en dehors du truc. En fait, si, c'est bon. C'est juste bizarre qu'ils partent là-haut sans autre suite. Là, il y a la violette. Normalement. Bah ouais, mais je l'ai fait tout à l'heure et j'ai pas réussi. Il me manquait quelque chose, mais je sais plus quoi. Remarque, maintenant, je peux peut-être la prendre. Bon, on va faire... Non, je me suis trompée de bouton. On va faire dans l'ordre, et puis... Hop. Voilà, donc ici c'est bon. Là c'était une gemme rouge ou verte, je sais plus, donc ça marche, on peut faire ce niveau. Ah, c'était la jaune, d'accord. Il te manque de gemmes. Ok, bah ouais, bah comme je sais pas exactement où elle se trouve, je reviendrai bah, dans ce cas chercher l'autre. Je reviendrai au niveau d'avant, là où tu m'as dit qu'il y avait une gemme, et on verra pour la faire du coup.
parce que je sais plus exactement dans quel niveau il me fallait quel type de gemme. Et le bleu est dans celui qui a les gros pas beaux qui te lancent des bidons. Ah oui, 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 je vois. Très bien. Bah dans ce cas, on va aller les chercher juste après ce niveau. Bah écoute, à plus tard, Totoc. Non. Et Zou le singe. Non! Pour la deuxième fois! Allez, je peux le faire, mais putain! Voilà. Non mais. Et hop, ça passe. Après, c'est pas sûr, version Jap, mais. Non, je pense que c'est ça, hein. Parce que. Effectivement, maintenant j'ai une gemme que je n'avais pas tout à l'heure pour faire le niveau avec les mecs qui me balançaient des bidons. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Oups. J'aurais pu passer, je sais pas pourquoi j'ai attendu. Alors je peux faire le tour par là. On va aller voir. Est-ce que je peux faire encore un peu le tour? J'ai peur de tomber dans le vide. Pas l'air de pouvoir aller plus loin. Là, faut aller derrière. Bah ouais, j'essaye, mais j'arrive pas à aller plus loin. Je suis un peu bloquée. Donc, j'essaie de passer outre ce pic, mais il y a une caisse de planqué quelque part. D'accord. Bah j'essaye, mais j'arrive pas à passer sur le côté. Ouais, là j'arrive pas pour le moment. Je vais la laisser ici, la caisse. On verra bien si je repasse par là. Je vais la péter parce que sinon... Ah! Waouh, 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 c'est bon. Je suis passé. Je suis passé, je suis en vie. Là, je peux marcher. Elle était là. Bon. Je vais juste revenir chercher la caisse. En espérant que je puisse remonter. Est-ce que je peux monter sans elle? Non, je peux pas remonter sans elle. Bon, alors... On va espérer que je ne décède pas. Tu m'étonnes, elle est facile à oublier celle-ci. Enfin, si tu sais pas qu'il y a des caisses derrière, ouais... J'imagine pas la galère pour la trouver. C'est bon, je passe. Allez, monte.
Putain, il est super bon. Il me manquait vraiment beaucoup des caisses. Je me souvenais pas qu'il me manquait autant de caisses dans ce niveau la première fois que je l'ai fait. J'espère qu'on les a toutes. C'est bon. Donc, on va retourner... Bon, déjà, on va sauvegarder, c'est très important de sauvegarder. Et puis, on va retourner donc au niveau de tout à l'heure. Pouf. Mais non, c'était dans l'autre sens. Ah là 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 là. Eh bah bonsoir à toi, Kazenlis. Comment ça va? Alors, hop. Donc, on va voir si on trouve la gemme. Déjà. Oh! Mais non! De la lumière pour mieux mourir. Ah, mais j'ai pas réussi mon saut sur le côté. Mais non, putain! Ce festival de mort en chute libre! Voilà. Moi qui vais toujours voir en arrière d'habitude, là j'ai pas pensé à jeter un coup d'œil en arrière. Bien évidemment. Et merde. Fatigué, je fais une petite pause dans le grand rangement. Très bien. Bah écoute, bon courage pour le rangement. Allez, zou. J'attends le prochain checkpoint avec grande impatience. Ah mais non, en fait, je l'ai pas fait celui-là de niveau encore. Je suis jamais passé là-dedans. Je pensais que je l'avais déjà fait, mais pas du tout. C'est... Oups. Enfin, je crois. Je l'ai pas fait, hein, celui-là de tout à l'heure. Si? Je sais plus maintenant. Parce que je sais que j'ai fait un niveau dans le noir. Mais je sais pas si c'est celui-ci ou si c'en était un autre. On se le cachera pas, la luciole est mieux. Bah au moins l'avantage avec la luciole c'est que tu peux avoir un masque d'invulnérabilité et pas là. Il y en a deux des levels de ce genre. D'accord, donc ouais bah c'est pas celui-ci que j'ai fait alors je pense. Et j'ai raté la plateforme, c'est génial. Waouh! Ouh, je suis contente de le trouver le checkpoint. Hein. Donc ouais non, en fait ce niveau-là je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je pensais l'avoir fait, c'est pour ça que j'ai quitté en fait. Ah, l'araignée qui a pris la... qui a pris le masque, c'est génial puisque maintenant je ne vois rien. Donc oui, je disais, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai quitté le niveau. C'est parce que je pensais que je l'avais déjà fait, mais en fait non, ce n'est pas du tout le même. Donc on va lui sauter dessus, hein, comme ça. Elle ne prendra pas mon masque en avance. Ah zut. Zut, zut, zut. Ah mince.
Oh mais non. J'ai raté la plateforme, la loose. Oh mince. Oh mais non, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Oh, faut que j'arrête. Putain, faut que j'arrête de faire la toupie sur cette araignée, justement, c'est ce que j'allais dire. Eh merde. Ah mais. Je veux pas, je veux pas lui foutre la paix à celle-ci. Hein. Ah mais non. C'est bon. Chaque fois que je vais voir le petit smiley, je vais dire Ameno. Vous voulez pas mettre un checkpoint ici aussi? Non. C'est bon, il y a un checkpoint là. On va espérer que mon masque va durer assez longtemps. Sinon, on est dans la merde. Waouh. Waouh. Ça passe. Non. Passe pas parce que j'ai pas sauté. Et la violette est pas dans ce level mais dans l'autre. D'accord, d'accord. Alors on refera l'autre également. Oh mais décidément. Je vais finir par y arriver. Hein. Et si, et ben si. Yay. Perfecto. Coucou Sunday Caramel. Sunday Cara. Donc c'était celui-là l'autre niveau. Je crois. Ou c'était celui-ci. Non non, je crois que c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là. Alors, hop. Je fais un petit truc. Pouf, c'est bon. Voilà. On est reparti. Donc ouais, c'était bien celui-ci. Et oui, on vient de finir un niveau dans le noir pour recommencer un niveau dans le noir, si c'est pas fantastique la vie. Alors, en théorie, celui-ci est un petit peu plus facile, donc je devrais y arriver un peu plus rapidement. Ah, mais si tu me parles quand je saute, tu me casses mon saut, enfin, à coup. Vous vous souvenez quand je dis que je devrais y arriver? Bon, après, ça va, je peux mourir un peu, quoi, mais ce sera pas autant que dans l'autre niveau, je l'espère. Reviens à la plateforme. Allez, plus vite.
Mais t'as fini de parler, oui? C'est vrai qu'il parle trois fois dans celui-ci. Bah oui. Hop. Alors... Ah oui, la gemme est ici. Wow, cette visite. Bah oui, mais du coup, faut que je redescende. Ouais, non, je veux redescendre, parce que sinon j'aurai pas toutes les caisses. Waouh, la gemme m'a tué. Mais... Oh là là là. J'ai pas le bon timing pour la plateforme, il faut que je l'attende. Non, il faut que je l'attende, je viens de me dire. Ou alors il faut que je saute assez loin. Non, on va l'attendre. Hein. Non, j'avais pas tout, justement. Puisque... il me manque ces trois caisses. J'ai la clé, mais j'ai pas... j'ai pas la gemme des caisses, il me semble. Et merde! Je me rappelle pas avoir vu des gens descendre. D'accord, mais putain. Bah ouais, mais j'ai pas le diamant dans ce niveau-là. Je savais bien que c'était possible de passer du premier coup. Fallait juste mieux sauter. On va voir. Cette dure coordination entre le cerveau et les doigts. Ah oui, non, mais il y a des fois, elle se fait pas, hein. On va voir ce qui se passe si je finis le niveau ici, du coup. Ah bah ouais. D'accord, elle compte comme perfecte. D'accord, bah je savais pas, je pensais que... qu'il fallait refaire le truc, autant pour moi. Et donc on a la violette, très bien. Ouais, du coup on a la gemme. Et donc le niveau avec les barils, c'était... Alors avant ça, là on a pas un strip. Je crois que c'était celui-ci. On va me revoir galérer à nouveau avec les tonneaux. Ça va être tellement cool. Oh, mais non! Alors, notre premier checkpoint. Je vois ce que tu fais, Kazanlis. Kazenlis. Je te vois. Ah, les tonneaux qui sautent, le retour. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Je suis pas tombée. Ah, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est bon. Pff, oh là 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 là. Ah non, mais non. Mais enfin, pourquoi t'es parti sur le côté, Crash? Ah, je suis pas morte. Pouf, je meurs. Mais...
Pouf. Ah, putain. Alors c'était pas celui-ci du coup. Ou alors j'ai raté la gemme. Non, c'était celui où il y avait... où il y avait la séparation. Donc ouais, c'était pas celui-ci. Mais j'ai eu la gemme bleue. Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'ai fait tout à l'heure? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait maintenant que j'avais pas fait tout à l'heure? Bah, je sais pas. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai eu. Parce que j'ai pas pris de chemin. J'ai pas pris de chemin spécial là, je crois. Comment ça se fait que j'ai chopé la gemme et que tout à l'heure je l'ai pas eu? J'avais loupé une caisse? Ah ouais? J'avais loupé laquelle? C'est trop chelou. Bref, bah maintenant on a toutes les gemmes, on peut repartir sur la première île du coup. Donc ça c'est fait, on l'a fait tout à l'heure. Celui-ci, très bien. Par contre, je crois que je préfère la musique du 2 pour ces niveaux-là. Enfin... Ouais, je l'aime bien, mais c'est vrai que celle-ci, elle est quand même sympa. Donc je sais pas. Je sais pas laquelle je préfère. Putain, mais n'empêche, c'est tellement salaud, parce que quand tu refais les niveaux, t'as plus les bons... pour aller sauvegarder dans les niveaux bonus. Donc autrement dit, si jamais tu fais un game over alors que t'as fini le jeu, enfin que t'as fait une fois tous les niveaux, bah il faut que t'arrives après à survivre jusqu'à ce que tu réussisses à finir un niveau en entier, sinon tu peux pas sauvegarder, je trouve ça vache quand même. Et honnêtement pour vous, et pour moi, heureusement que je le fais pas en normal, sans save state, parce que je vous dis... je sais pas quand est-ce qu'on l'aurait fini ici. Eh merde! Oh mais non, tu te fous de ma gueule là! Saleté de poisson. Surtout pour le finir à 100%. Je vous dis pas la galère. Sans les save têtes, enfin. Ceux qui le font, par contre, franchement, je suis admirative, hein, mais je pense que je n'ai clairement pas le niveau pour faire ça. Je fais beaucoup trop d'erreurs stupides pour pouvoir réussir un défi de la sorte. Alors, l'idéal serait de ne pas mourir en sautant sur ces gemmes. Ah oui. N'est-ce pas? Un coup classique. L'idéal serait de ne pas mourir. Meurs. Ça passe. C'est bon. Waouh, waouh, waouh. C'est vrai que ça glisse le tronc d'arbre. Putain, en plus, il y a le checkpoint juste là. Mais tu veux bien la casser, cette caisse? Mais crash! Attends, mais... Merci! Ouh. Cette fois-ci, c'est bon.
Ah bah oui, oui c'est le checkpoint. Le checkpoint du niveau bonus. Je m'en fous, je refais une sauvegarde. Oh, il y a deux passages, c'est vrai. Wouah! Allez, allez, allez. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça passe. Ouh. Quoi? Oh non! T'abuses! J'abuse! Putain! Oh. Non, on recommence. Oh, fais chier. La loose infinie. Bon, je vais essayer de faire gaffe, mais... Enfin, à part sous le tronc d'arbre, vu que Crash a bugué, il y a des moments où je me coinçais, j'arrivais pas bien à faire... à bouger. Je sais pas trop où peut se trouver cette caisse. C'est pas des plus pratiques d'être invincible à cet endroit. Quoique, au moins là, j'arriverai à péter toutes les caisses. Voilà. Je crois effectivement qu'il y en avait bien deux ici, mais... mais je sais pas, tout à l'heure j'ai pas réussi à la casser et je restais bloquée à chaque fois dans le... Enfin juste derrière, j'arrivais pas à bouger. J'en ai bien pété une mais l'autre je sais pas, je la trouvais pas. Donc bah... J'espère que ce coup-ci c'est bon. Mais... Oh, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi j'ai sauté, mais... Bon. Bon, là je suis sûre, y a rien au-dessus. Si, j'espère que c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. Ça en fait des gemmes. Fouh. Petite sauvegarde qui fait plaisir. Oui, bah oui, ça a l'air de toujours fonctionner. Très bien. Bon, alors, il n'y a pas de gemme à récupérer chez les boss. Donc on passe au prochain niveau. Petit coup de barre, mais tout va bien. Ah, le chat marche toujours pas, très bien, je note. Je me suis encore fait déglinquer par les plantes pour ne pas changer.
comment il est planqué. Hop. Mais du coup, je sais pas à quoi ça... Je sais pas à quoi servent les niveaux embryo, puisque putain, mais oh, c'est fini ce massacre de masques. Oui, parce que elle était cachée là. J'ai jamais je crois pas avoir récupéré des objets à la fin de ces niveaux. Donc du coup, je sais pas exactement à quoi ils servent. Ma caisse. Ce coup-ci... Bah oui! Ce coup-ci, on a la gemme! C'est pour ça qu'on va tomber! J'allais dire, ce coup-ci, on a la gemme, on peut tomber sans mourir. Avec un magnifique visage de Cortex. Allez. Ah putain, je fais n'importe quoi. Oh mais non! Décidément. Oups. Mais... Oh... Mais enfin, je sais plus jouer. C'est chelou quand même, tu peux pas tomber dans les... Tu peux pas tomber sans gemme. Bah oui, je peux pas tomber. Ça me tue instantanément. Ah mais là c'est le festival des aménos. Hein. Des aménos. On va réussir à le passer, hein. C'est pas très compliqué pourtant. Allez, ce coup-ci, on est bon, on est fou, tout va bien. Et j'ai les 3 portraits de Brio, très bien. Petite save, parce que vous savez à quel point je suis douée. Ouais, il donne rien. Donc, je sais pas à quoi ça sert de faire les niveaux d'embryo. Si quelqu'un peut me dire si dans la version US ou EU, du coup, si ça donnait quelque chose. Parce que bon, je vois pas trop ce que ça apporte. En plus, j'ai même pas le droit de sauvegarder. Des vies. D'accord. Ouais, enfin, faut les réussir pour choper des vies, mine de rien. Je vois rien de plus. Bah ouais, ouais. Je vois rien d'autre non plus. Bien. Il nous en manque plus que 6. Ah oui, mais non, je... Je ne sais pas lire le russe. I can't read Russian, so... Si cette personne recontinue à parler en russe, sait-on jamais.
Bah du coup je lui dirai bye bye, mais sinon... Laissons-lui une chance de passer en anglais peut-être. C'est chelou quand même, je suis pas tombé sans j'aime, j'aurais de plus, bah des caisses, bah ouais, bah... Mais elle compte même pas. C'est pas la Russie ici, mais enfin. Y'a pas de caisse en bas, c'est bon. Alors, on parie sur quelle gentille insulte en russe? Oh là là, je ne sais pas. Je vous laisse parier, moi je suis très nulle en insultes russes. Je sais pas... salut, ça va? Bien le bonjour, j'ai fini Crash Bandicoot Entrance 2 sur GBA hier. Ah bah écoute, moi j'ai jamais fait celui-là. Je ne l'ai jamais fait. J'aimerais bien le tester un jour. Et du coup donc, salut à toi. Alors, deux petites minutes. Salut. Voilà. Pouk. J'ai jamais fait, je crois, de Crash sur GBA, donc je sais pas du tout ce qu'il donne. Faudra que je teste un jour. Merci du follow. Et puis bah, pour que tu sois au courant, après ce crash-ci, comme là j'arrive à la fin, je suis en train de refaire les niveaux dans lesquels il me manque des caisses pour choper tous les diamants. Une fois celui-ci fini, on s'attaquera à nouveau à Crash 2. Je dis à nouveau parce que je l'avais déjà streamé. Cette fois-ci en japonais, et je peux vous dire que ça m'a un peu choqué d'entendre les voix des différents personnages. Surtout Coco, bon sang la voix de Coco. Mais donc voilà, je vais les refaire tous en japonais après, donc on est parti dans un... Dans une petite période Crash, on va faire Crash. Donc là le 1 qui est en cours de finition, de termination, exactement. Puis le 2, 3, Team Racing et Bash. Voilà. Sachant que ce Crash, Crash 1, je ne l'avais jamais fait. C'est une première pour moi et je n'ai jamais fait Crash Bash non plus. Enfin, Crash Bandicoot 1, j'avais joué un petit peu il y a très 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 longtemps. J'avais joué, j'étais arrivée jusqu'à Papou, il me semble. Donc j'étais vraiment pas allée loin. Attends, je veux mon masque. Oui. Ça valait le coup d'aller chercher le masque, dis-moi. Hop là. Non, mais fais doucement. Ah, je vous jure, pourquoi est-ce que j'ai voulu retourner chercher un masque? Alors doucement. Et donne-moi mon masque. Est-ce que je vais réussir à... Non, bien sûr, je n'arrive pas à retomber comme il faut. Ah, ça valait le coup d'aller chercher le masque. Ça valait le coup, hein. C'est super. Je peux vraiment être têtu pour rien des fois. Hein. Alors, je regarde, mais il n'y a pas l'air d'avoir de trucs, donc on est obligé de sortir. Je vais attendre que le feu se calme. Hop. Très bien. Alors, je regarde juste. Je l'avais petit sur GBA, c'est pour ça que je voulais le finir. Oui, bah oui, souvent. Souvent, quand on a les. Les jeux petits, effectivement, on a souvent envie de les refaire. J'ai Crash XS sur GBA 100%. Alors, si jamais tu veux voir ce qu'il a dit, tu peux recliquer sur le message deleted. Hein. Tu as accès au message.
Je l'avais jamais fini, petite, je l'ai fini. Je l'ai fini. Petit, je l'ai fini l'année dernière. D'accord. Blaytran, la moitié des mots ne se traduisent pas, ça inaugurait rien de bon. Effectivement. Après, bon, Golaltrad, vous me direz, peut-être qu'on peut, on peut être. Non. Peut-on être têtu pour des choses utiles? La question divisant les gens. Les genres. Bah oui, va savoir. Et du coup, on est reparti. C'était le petit point de chat. Ça passe, je m'en fiche, ça passe. Hop. Ah oui. Hop là. Est-ce qu'elle monte celle-ci? Oui, elle monte. Waouh! Je m'attendais pas à ce que l'écran bouge d'un coup. J'aime pas trop ça, hein. Ça va me filer le vertige, ces conneries-là. Oh, on peut. Ah! On peut marcher sur les nuages! Mais il faut tout de même faire attention aux trous, très bien. Bonjour, nous ne sommes pas stressants du tout. Je me suis dit que ça irait plus vite. Bon, j'imagine qu'on a toutes les caisses. On est donc reparti. Hop. Wow, doucement. Doucement. Pas le moment de faire n'importe quoi. Et on peut passer par ici aussi? Mais oui. Enfin non. On peut juste aller chercher la vie. Hop là. Ce qui nous permet de passer les trois feux. Oups. Plus facilement. Si j'oublie de prendre les. D'activer les plateformes, je ne vais pas pouvoir grimper. J'ose espérer qu'on les a toutes. Allez, dis-moi que oui. Oui, c'est bon. Très bien, continuons. Hop. Alors, direction prochain niveau. Qui est donc celui-ci. Je vais faire une petite sauvegarde en plus.